Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 11e épisode de Pokémon X on the Set Challenge. Alors c'est parti, on va continuer. Il faut aller récupérer la Pokéflûte. Ma raison de voyager et ma raison de me battre. Finalement comme attaque. Avant je prenais jamais coup de boule maintenant. Quand on fait des Nuzlocke challenge, on est vraiment concentré pour pas perdre de PV. Alors quand que moi je joue normalement, je m'en fous que le Pokémon soit KO. Que ton Pokémon a souri. Ok. Oh, évolution de Toti. Même pas pourquoi je l'appelle Toti. Mais bon. Carabaf. Est-ce que les vestiges du passé ont plus de valeur qu'un être humain vivant maintenant? Oui, Tressa, je voudrais partager mes béhorins avec toi. Oh, c'est gentil, ça. Donne un béhorin à un Pokémon pour le soigner. Si tu lui as fait tenir une, il pourra la manger de lui-même pendant le combat. C'est cool. Prendre une photo. Non, ça m'a pas de photo. Combien il faut d'argent pour construire quoi? Un truc pareil, je sais pas. J'adore vivre ici. Moi aussi. L'entrée vous coûtera 1000 Pokémon. Sérieux? Il faut payer pour entrer. Notre seigneur et maître, vous l'apprendrez bientôt. Je pense qu'on ne peut jamais avoir trop d'argent. Qu'il s'accroche à son argent autant qu'il veut. On verra si ça le rend heureux. Prenez-le, vous. Ça chiant, mais elle donne pareil l'argent. Mais 1000 paquets de l'or. Pour ça, donne-moi les. Je vais prendre ton argent. Je vais prendre. Nom d'une permanente, où est-il passé? Où es-tu? Mon amour pour lui est bouclé. Mon coiffeur chéri répond à ma supplice. Mon coiffeur chéri, mon amour aussi précieux que mon cuir charlu a disparu. Ça t'en dit, Sky? Il faut qu'on fasse quelque chose. Imagine si tu étais à sa place. Un lieu de Pokémon qui disparaît, c'est la fin du monde.
Ouais. Je suis le barde errant. Oh, toi, par santé, écoute-moi. La radieuse Kalos, source de toute beauté, fut il y a 3000 ans une terre désolée. Une guerre fut-elle aussi vaine qu'éternelle dévasta son visage de ses serres cruelles. Humains et Pokémon, épuisés par la haine, se noyèrent peu à peu dans les larmes et la peine. Bon, pas pour moi. Ce qui est frappant ici, ce n'est pas juste la structure, c'est la décoration, les sculptures et la peinture qui concourent à l'harmonie du lieu. Alors, le préparateur, c'est ça, un repas. C'est que mon avis, mais quelques-uns. Ok. Y a-t-il quelque chose, toi? Non. Et toi? Non. Ouais, les pièces sont petites. Le palais, elle pas le palais, mais le jardin. C'est cool. Alors, ça aussi. Parle des i. Oh. C'est épuisé. Ma fille. Désolé. Ok, un Pokéball. Pièce rune, cool, ça c'est pour avoir plus d'argent. On va te donner ta vie. Ok. Vraiment grand. Pas de but de citer ça, ça va quasiment prendre tout l'épisode. Ok. Ok. On va redescendre. Voilà. Dans le
jardin. Oh, c'est cool les statues. Oh, je vais faire un tour derrière. Ok. Il est là. Okay. Une fois qu'il est bon. J'ai pas vraiment beaucoup. Ça sera pas grand chose. Ok. C'est crème. Défense spéciale. Ok. Non, ne t'en fuis pas. Scar, active-toi un peu et donne-moi le coup de main, d'accord? Fait que là, lui, il est là. Faut qu'on l'amène là-bas. Ici. Ici. Ok. Là, dans le fond, lui, il est là. Fait qu'il faudrait qu'on... des ailes. Reste ici. Comme ça. Ok. Fait que là. Là, je vais dire. Là, ici. Puis moi, je vais aller par là. Et voilà. Même des petits puzzles passionnants. Pas trop tôt, on l'a enfin eu. Sky, nous sommes exceptionnels. C'est bien parce que je comprends les Pokémon qu'on a réussi à affronter ce coiffeur. Mon coiffeur, mon petit trésor poilu. Je me suis fait des cheveux blancs à cause de toi. Ces retrouvailles échevelées seraient-elles dues à vos soins? J'en suis tout ébouriffée. Que dis-je, c'est décoiffant. De telles retrouvailles méritent un feu d'artifice. Va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Ne me coupons pas les cheveux en quatre. Ce feu d'artifice, preuve de mon amour pour coiffer ça. Grandiose. Comme vous n'avez pas de poids dans la main et que vous avez retrouvé mon coiffarel, cette festivité vous sera aussi récompensée. Il vous suffira de vous rendre au balcon. On l'atteint par le hall, le miroir du premier étage. Ah, c'est quoi ça, je me demande si on a bien fait de retrouver ce coiffarel. Si j'étais un Pokémon, je n'aimerais pas avoir de ça pareil. Bah, on a le droit d'avoir des feux d'artifice, c'est déjà bien. Ok. Fait que, on va aller voir les feux d'artifice. On va voir ça. Thank you.
Coupe. Je ne sais pas trop comment le dire, mais j'aimerais vraiment qu'on devienne de bonnes amies. Sky Galaxia, je suis sûre que ce feu d'artifice va nous laisser des souvenirs inoubliables, parce qu'on l'a regardé ensemble. Trop d'émotions. Génial. Je n'aurais jamais ce moment qu'on a passé ensemble. Un feu d'artifice au poil pour mon amour poilu. J'imagine que vous êtes satisfaite. Oui! Fait! C'est ça, il nous faut la flotte pour réveiller un gros patapouf de Ronflex. La peau qui flûte. Au travail! Il s'agit du trésor de Fort Venices que j'ai accepté en paiement d'une dette. Inutile de couper les cheveux en quatre, nous ne resterons pas bien de nous entendre, un pauvre comme son ex-propriétaire et moi. Au travail, donnez-leur la flûte. Voici la peau qui flûte. Cool. Tant que j'ai votre attention, pensez toujours à rendre ce qu'on vous prête. Cela vous évitera de vous faire des cheveux blancs. J'aimerais voir plein de choses et me faire de tas de souvenirs. Mais alors, ce type, si je pouvais l'oublier, je ne me dis pas à quel point j'aurais ces lieux peut-être en calvaire. Si vous le dites, mais au fait, monsieur, vous avez entendu parler des méga évolutions? J'ai le souvenir d'avoir lu quelque chose à ce sujet en compulsant un ouvrage dans la bibliothèque. Cela parlait d'une personne, un dresseur comme on les appelait maintenant, qui brandit une pierre mystérieuse pour faire évoluer un Pokémon ou je ne sais quelle fadaise. Si vous désirez en savoir plus, allez-vous donc voir par vous-même. Et pour vous remercier de votre âme, laissez-moi faire un noble présent. La capacité à briser protège des attaques adverses. Mais prenez garde, elle a tendance à jouer si elle est utilisée plusieurs fois de suite. Sur ce, je vous prie de m'excuser. Le propriétaire de ce château va utiliser un ami un jour avec lui, celui de Fort Venices. Pourtant, on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, une fois le Ronflex réveillé, il faudra se souvenir de rendre la Pokéflûte. Hihi. Ok. Alors, l'épisode va se terminer ici. Alors, enfin, la prochaine fois, on va aller réveiller ce gros patapouf, comme qu'il a dit. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker,
commentez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de Pokémon X en Azure Challenge. Allez, bye bye!